Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une rainette avec guide de la marque Créacuir dans sa gamme Premium. Les outils Premium sont de qualité professionnelle et sont fabriqués à partir de matériaux haut de gamme. Ils sont non seulement très qualitatifs, mais aussi une attention particulière a été apportée à l'esthétique. La rainette, aussi appelée gouge de sellier, est un outil qui permet de creuser un sillon dans le cuir afin d'y noyer votre fil de couture. Cela a pour avantage de protéger votre fil de l'usure en diminuant les frottements. Elle sert également à créer une gorge pour faciliter le pliage. Cette rainette a la lame qui se situe dans l'axe du manche, ce qui permet un meilleur contrôle du tracé et de la pression. Le manche est fabriqué en bois de rose, qui est un bois dur et résistant avec de jolies nervures. Il mesure 11 cm de long pour un diamètre maximum de 3 cm. La bague est en laiton massif. La lame mesure 5 cm, soit une longueur totale de 16,5 cm. Vous pourrez tracer des sillons de 2 mm jusqu'à 4,7 cm. Cette rainette vous sera fournie avec une clé de réglage. Vous aurez également une petite lame qui vous servira à tracer de belles lignes décoratives. Et aussi une pointe pour pouvoir tracer vos lignes de couture. La rainette est à utiliser uniquement sur des cuirs fermes, qu'ils soient tannés végétal ou minéral. Pour utiliser votre rainette, vous devez tout d'abord caler le guide sur le bord extérieur de votre pièce de cuir, puis appuyer la lame contre le cuir et enfin effectuer un mouvement de recul. Pour les courbes, vous procéderez de la même manière en veillant à bien garder le guide sur le bord extérieur de votre pièce de cuir. Voici deux exemples de couture. L'une dans le sillon de la rainette, l'autre sans. Sur la couture qui n'est pas dans le sillon, on peut constater qu'elle arrive au-dessus de la fleur du cuir. Celle dans le sillon de la rainette arrive au niveau de la fleur du cuir. Ceci aura pour avantage de diminuer les frottements sur cette couture et ainsi augmenter sa durabilité. Pour effectuer une ligne de pliage, procédez de la même manière que pour le sillon de couture. Prenez simplement la précaution de repasser plusieurs fois dans le sillon afin d'accentuer cette ligne. Pour régler la largeur de votre sillon, vous devez procéder ainsi. Tout d'abord, dévissez le pas de vis qui se trouve sous le guide. Puis, réglez la largeur désirée. Et enfin, resserrez la vis. Pour procéder au changement de lame, il suffit de commencer ainsi. Tout d'abord, dévissez le pas de vis qui se situe sous le guide. Retirez celui-ci. Puis, vous devrez desserrer la vis qui se trouve sur le côté de la lame. Retirez la lame de découpe. Insérez la lame décorative. Puis, resserrez simplement la vis. Il est inutile de trop forcer. Remettez le guide
puis resserrez la vis qui se situe sous le guide. Voilà, votre outil est prêt. Procédez de la même manière pour la pointe à tracer, les lignes de couture. Pour faire les lignes décoratives, procédez de la même manière que pour les sillons de couture. Calez votre guide sur le bord extérieur de la pièce de cuir, appuyez la lame décorative contre le cuir, puis effectuez un mouvement de recul. Vous procéderez de la même manière pour la pointe à tracer les lignes de couture. Cette rainette de la gamme Premium est non seulement un outil professionnel qualitatif, mais également ses finitions haut de gamme feront qu'il aura une place de choix dans votre atelier. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes réalisations.